Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, votre visage et votre voix sont maintenant très bien connus des auditrices et des auditeurs de Radio Parole de Vie. Avec le commerce équitable, qui est votre sujet de prédilection, puisque vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Oui. Et aujourd'hui, on va parler de C'est qui le patron ? Voilà. Donc, c'est pas Artisans du Monde, mais c'est un partenaire intéressant au niveau du commerce équitable. Alors, ça me paraît important, justement, en ce moment-là, par exemple, où il y a des débats, par exemple, Leclerc qui fait la baguette à 29 centimes, etc. Donc, on discute toujours le produit au prix le plus bas. Mais bon, moi, ça me paraît énorme quand même, entre une baguette à 29 centimes et les prix qui sont réalisés dans les boulangeries, tout ça. Donc, c'est la question du juste prix. Mais il faut déjà que ce pain, par exemple, si on prend l'exemple du pain, il soit de qualité, hein, nutritive, etc. Que tous les partenaires soient correctement payés, hein, les producteurs, les distributeurs, etc. Dans la chaîne. Voilà. Et donc, c'est qui le patron ? C'est intéressant. C'est une association de consommateurs. C'est des consommateurs qui se sont groupés, justement, pour lutter contre ces histoires de prix, de baisse de la qualité, etc. Et ils se sont dit, on va... Alors, au départ, c'est sur le lait. Calculer quel est le coût d'un litre de lait, combien il faut que ce soit vendu pour que le producteur soit bien payé, que le distributeur aussi sa marge, etc. Et quel prix sont, quel surcoût est prêt à assumer le consommateur. Donc, ils se réunissent et donc là, ils sont arrivés, par exemple, le litre de lait, ça a été... bon, je pense qu'avec le cours du lait, ça va varier, mais à 99 centimes le litre. Et en s'engageant donc sur ces 99 centimes, à ce que 44 centimes, par exemple, minimum, soient reversés au producteur. Donc le producteur est satisfait et les consommateurs, eux, versent quelques centimes en plus par rapport à un litre de lait concurrent. Mais avec ce principe-là, ils sont devenus les leaders en France de la vente de lait. C'est eux, actuellement, les plus gros, depuis quelques mois, les plus gros vendeurs de lait. C'est un secteur en souffrance depuis déjà des années, les producteurs laitiers. Avec les quotas, les politiques. Donc, un moyen d'aider les producteurs de lait. Et puis, ils ont aussi cherché à diversifier. Donc, ils sont lancés déjà pour être un produit laitier dans le beurre. Et là, donc depuis quelques jours, ils sont devenus aussi les premiers vendeurs en France en beurre doux et en beurre demi-sel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait tache d'huile aussi. Par exemple, ce principe est repris dans différents pays. Au Maroc, en Égypte, en Espagne. Et puis aussi, des producteurs, les contacts des distributeurs, dont des gros distributeurs, par exemple Nestlé. Et donc, c'est qui le patron a accepté de diffuser son cahier des charges, de le mettre à disposition des gens qui sont intéressés pour voir comment il faut élaborer ce système. Et puis, il y a aussi des gros distributeurs, producteurs, je pense à Nestlé, qui ont demandé à ces qui patrons d'auditer leurs produits. Voir, ils ont élaboré depuis des années un système pour vraiment voir tracer la filière, voir tous les prix à différentes étapes. Et donc Nestlé, apparemment, ne se sent pas capable d'avoir cette finesse dans l'analyse. Donc ils demandent à ces qui patrons de faire une analyse de ces prix, voir s'il faut augmenter la part de l'un, la part de l'autre, réduire, etc. Donc moi, ça me paraît très intéressant. Et alors, oui, un deuxième axe aussi de ces qui patrons, ils lancent un système concurrent, entre guillemets, de Yuka. Yuka, c'est ce une système application, qui permet, quand on flash un code barre d'un produit qu'on vient d'acheter, de savoir quelle qualité Yuka accorde à ce produit. Une sorte de demande d'essai, en fait. Oui, avec une échelle de excellent, bon, moyen à éviter. Et alors, Yuka se base surtout sur la qualité de... du produit, au niveau pesticides, au niveau gras, etc. Mais pas sur ce côté que le commerce équitable, nous mettons en avant aussi, le caractère social, est-ce que les ouvriers sont bien payés, tout ça. Donc là, c'est qui le patron se lance, veut lancer un outil comparable, mais qui
élargi la gamme à l'atteinte à l'environnement, par exemple. Est-ce que les travailleurs sont payés correctement? Est-ce qu'il n'y a pas d'exploitation des travailleurs? Enfin, tous ces principes que nous, on reprend dans le commerce équitable. Et donc, je pense que c'est très intéressant. Avec les outils de maintenant, hein, oui, oui, de oui. communication. De... Oui, parce que moi, je pense toujours, hein, là, je pense au bio... depuis longtemps, à la mode, c'est le local, c'est le bio. Mais moi, au commerce équitable, on dit toujours le bio, c'est beau, le local, c'est beau. D'accord, mais il faut savoir dans quelles conditions c'est fait. Ça ne suffit pas que ce soit bio pour que ce produit soit recommandé. Si c'est du bio qui a été fait en exploitant des travailleurs immigrés dans le sud de l'Espagne, par exemple, ou au Maroc. C'est-à-dire que le label européen est moins contraignant que le label français AB Non, par exemple, c'est-à-dire que tomates, dans les labels bio, on s'intéresse beaucoup à est-ce qu'il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de pesticides, etc. Par contre, le côté social, il n'est pas, c'est pas un critère. Et ça, c'est quelque chose qu'Artisan du Monde, dans son plaidoyer, oui, oui, c'est, ça fait partie des critères en ligne de compte. Oui, du commerce équitable en général, Artisan du Monde en particulier. On ne surfe pas sur un phénomène de mode sur l'agriculture biologique en occultant. Oui. Les conditions de travail des personnes. Non, après, moi, je dis aussi, cet après-midi, par exemple, je vais tenir le magasin à Saint-Pierre-de-Pléguin avec des producteurs locaux. Copains paysans. Copains paysans. Mais dans le local, il peut y avoir n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est produit à quelques kilomètres de Saint-Malo que c'est bon. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec des pesticides, qui travaille un peu n'importe comment. C'est pas, il n'y a pas de garantie. Donc... c'est important d'avoir ces garanties. Hein. Et donc, les labels, il y a un cahier des charges qui est rigoureux. Il y a des gens qui contrôlent que ce cahier des charges est appliqué. Et c'est important de savoir pour ça. Ben merci beaucoup, Jean-Claude Pont, pour cet éclairage sur C'est qui le patron et donc l'application qui va venir un peu concurrencer Yuka. Oui. On vous retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain dans cette chronique régulière du mardi sur le commerce équitable dans le 11-12. À très bientôt, Jean-Claude Pont. Merci à vous. Au revoir.